Le premier restaurant solidaire de France va ouvrir ses portes dans quelques jours à Marseille. Des repas à 1 euro pour les plus démunis et des prix normaux pour les autres. Nous avons trouvé un lieu qui est l'ancien café parisien que nous avons réhabilité de façon à pouvoir mener à bien cette action-là. Il y a aujourd'hui 120 places assises en intérieur, il y aura 120 places assises en extérieur. 50% des places assises pour chaque service sont prévues pour les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont des personnes issues d'associations ou de groupements de personnes qui ont la possibilité de pouvoir venir manger la même chose que d'autres personnes qui paieront un tarif entre 25 et 30 euros et les bénéficiaires paieront 1 euro. C'est un restaurant classique, ce n'est pas une cantine solidaire, c'est un restaurant solidaire, on va accueillir tout le monde. Une partie des tables, des places seront réservées à des personnes dans le besoin qui ne vont plus au restaurant, des personnes, alors ça peut être aussi des travailleurs pauvres. Permettre à ces gens-là de revenir au restaurant fêter un anniversaire, un repas de famille, à travers une collaboration avec des associations qui gèrent un peu ces personnes, pour que quand les gens vont venir dans le restaurant, on ne va pas leur demander leur butin de salaire ou leur feuille d'impôt. Hein. Le principe, c'est que ce travail que l'on va faire avec un cahier des charges avec les associations, ces personnes arriveront dans le restaurant avec une réservation, un code un peu réglé entre nous, qui fait que quand on va les accueillir, ils auront une réservation, on va les installer à table et au milieu de tout le monde. Il n'y aura pas une partie du restaurant qui est réservée pour ces personnes et l'autre partie pour les gens qui payent normalement. Tout le monde sera installé dans les tables. Vous avez vu, on a des grandes tables, donc on pourra même associer des gens sur les mêmes tables.